Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur et mon ami Kevin Fu. On est ici pour vous annoncer le concours qu'on avait fait. Je suis désolé pour le monde de YouTube qui ont pas Facebook, Instagram, Twitter, puis c'est là-dessus les gros. Ouais, je pense que c'est là-dessus qu'on l'a posté le plus. On l'a posté sur la communauté du Brasseur, sur Fitz le Brasseur, sur Kevin Fu. Et sur mes deux Kevin Fu sur Instagram et Facebook. Et aussi sur le Brasseur sur Facebook et Instagram. Vous avez manqué notre dernier podcast. Vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé. Ça fait un petit bout qu'il n'a pas sorti en vidéo. Ben, comment je pourrais bien dire ça, Kev, sans paraître pour trop un cave? Ben, il était super gentil de vouloir travailler sur une vidéo toute la quête. Puis Fitz a décidé de regarder sa caméra. C'est comme, c'est correct, delete. Fait que j'ai tout délité le côté de visuel du podcast. Fait qu'on a décidé de le mettre juste en vraiment podcast au lieu de faire un broadcast avec, qui a été disponible sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, Spotify, Google Play Music, Balado sur Balado Québec aussi qui est dessus. Fait que si vous avez pas vu ce podcast-là ou pas entendu, pas vu, c'est normal, il était pas là. Si vous l'avez pas entendu puis ça vous intéresse, on parlait de quoi dans ce podcast-là, mon Kev? On a travaillé sur les Pilsner. Fait qu'on parlait de Pilsner, si c'est un sujet qui vous intéresse, ben vous pouvez aller le voir sur ces plateformes-là. Sinon, si ça vous intéresse, dites-nous en commentaire, on va vous faire un écran comme plus noir avec des petites photos qui passent devant. On pourrait le mettre aussi sur YouTube si c'est quelque chose qui vous intéresse. Par contre, vous n'allez pas nous voir déguster la bière tout le long du processus parce que j'ai délité les vidéos en pensant que je les avais déjà installées dans mon backup et c'était pas fait. Désolé. Mais pour ceux qui ont été trop paresseux parce que ça leur tentait pas de juste nous écouter parce qu'ils aiment ça de voir notre belle gueule, je vous comprends. Vous avez manqué quelque chose parce que pour la première fois, on a décidé de faire un concours et le concours impliquait Escape Laboratory qui nous donne des levures pour vous, pour soit faire des tests ou peu importe. Fait qu'on a décidé de faire un concours en vous donnant une levure de eux que vous devez venir chercher soit en magasin ou on peut vous l'expédier avec votre commande en ligne. Et on a un gagnant parce que le concours est déjà fini. C'est le but de cette vidéo-là. Eh oui. Fait qu'on a eu le privilège d'annoncer. Roulement de tambour. Le grand gagnant est. Fait que félicitations Maxime, tu peux présenter à la boutique du brasseur ou m'envoyer un courriel ou dans ta commande, mais on le sait à peu près où tu habites, on le dira pas. Non. Mais on le sait à peu près où tu habites à cause des réseaux sociaux. Hein. Fait que tu peux venir en boutique, venir chercher ta levure. Écoute, pour cette fois-ci, on a décidé de te laisser le choix de la levure S4 que tu veux. Fait que t'as juste à me dire laquelle que tu veux avoir pour ta prochaine brasse ou pour essayer. Puis ça va nous faire un grand plaisir de t'en donner et ça fait aussi un grand plaisir à nos amis. Où ils sont déjà, mon cadre? Ils sont à Guelph, Ontario, de Escarp, avec levure canadienne, que pour ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent essayer, 180 milliards de cellules par paquet, et c'est déjà très actif, vous n'avez pas besoin de faire un starter, et vous avez une très grande variété de produits, de types de souches de levure de disponibles pour être capable de faire ce que vous voulez ou vos propres expériences. Puis en plus de ça, là, je vous dis ça de même, là, mais ils font plein de levure test qui est aussi disponible pour nous autres. Alors, restez à l'affût sur le brasseur www.lebrasseur.ca. On met tout le temps les nouveautés. Aussi sur notre Facebook, on met les nouvelles souches qui viennent d'apparaître. Et si vous êtes des personnes qui aiment expérimenter, c'est la meilleure compagnie présentement pour expérimenter. Ils font des fois juste un mois disponible et c'est tout après. Fait que si on en veut d'autres, si ça a bien fonctionné, c'est possible que la compagnie refasse des batchs. Mais ils sont vraiment forts sur les tests. Présentement, on a une Premium Pilsner. En quantité limitée parce que c'est vraiment un test qu'ils ont sorti et que c'est disponible chez le brasseur présentement et que pour ceux qui ça leur tente, même avoir un petit goût d'été en hiver, il n'y a rien de meilleur. Fait que c'est tout pour le petit vidéo, c'était juste un petit remember qu'on avait fait notre podcast en podcast cette fois-ci et qu'on voulait annoncer notre gagnant qui est Maxime Côté. Fait que félicitations encore et on se voit dans la prochaine vidéo, amis. Ciao tout le monde!